Je me suis intéressé au terme du suspense parce qu'au départ, il était plutôt pris en mépris par rapport à Hitchcock. Maître du suspense, c'était côté grand guignol. Et même les gens qui l'admiraient, Romer, Chabrol, n'osent pas parler du suspense. Moi, je l'ai pris parce que j'ai considéré, et je pense que j'ai raison en fin de compte, que c'était vraiment la matière même de l'œuvre de Hitchcock, c'est-à-dire jouer sur une sorte de distanciation, d'écartèlement entre d'un individu qui est complètement bloqué en état de passivité totale, et donc en état, je dirais pas de terreur, mais on n'en est pas loin, entre deux forces qui le contrarient et qui jouent sur lui, une force bénéfique et une force maléfique. Donc, c'est sur ce moment de suspense du temps où on attend qu'un futur arrive pour vous délivrer ou au contraire vous entraîner dans la chute. Donc, on est dans ce système-là. Alors, tout le cinéma de Hitchcock, en effet, fonctionne sur cette construction-là, donc ce suspense, et tous les mouvements. Non seulement des personnages, non seulement des regards, mais tous les mouvements d'appareil sont liés à l'expression même de cet état qui est celui du suspense. Alors, il est évident que cet état est un état maladif. Un état maladif, mais en même temps, chez Hitchcock, il est intéressant parce que les deux forces, qui sont donc bénéfiques ou maléfiques, sont aussi deux autres forces qui sont psychiques, c'est-à-dire celle du désir et celle de la crainte. Tout désir fonctionne avec de la crainte et se nourrit de la crainte et s'enrichit, et inversement, toute crainte, en même temps, est liée au désir. Et c'est ce jeu-là que travaille en permanence Hitchcock. Donc le spectateur, évidemment, est lui aussi mis en condition de suspense, parce qu'il est à la fois dans le désir de voir et dans la crainte de voir. La même chose, évidemment, mais avec cette chose qui est très 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 spectaculaire, très cirque, c'est-à-dire comme le spectateur qui regarde un trapéziste. Du temps où il n'y avait pas de filet, c'est-à-dire tout ce spectateur évidemment ne veut pas voir tomber le trapéziste, mais s'il pouvait tomber un tout petit peu quand même, ça nourrirait le plaisir du spectateur. C'est dans ce sens-là que Hitchcock travaille. Reprenons cette image qui est quasiment tous les films de Hitchcock, c'est-à-dire un toit, un personnage glisse sur le toit et se raccroche par le bout des doigts à une gouttière, et à ce moment-là, donc, il est dans un état total, non seulement de passivité, mais d'incapacité à rétablir lui-même la situation. Donc, sa situation, terrible, dépend de ou bien quelqu'un va venir le sauver, ou bien au contraire, c'est la chute. Bon. Et ça, vous l'avez, je sais pas, vous l'avez dans la main au collet, vous l'avez, enfin, vous l'avez, on peut dire, vous l'avez dans Normand Nord-Ouest, enfin, c'est une image qui revient très, très fréquemment chez Hitchcock. Alors, ensuite, évidemment, après, elle peut être retravaillée autrement et non plus directement par son illustration, donc le toit, le vide, la gouttière et le sauveteur. Mais cette image-là est une image référente et constante. Hitchcock fait cela tout simplement parce que il a besoin de donner au spectateur, et donc à son film, l'illustration parfaite de cette sorte de déchirement que tout individu, en réalité, ressent un jour ou l'autre, c'est-à-dire entre le désir de faire quelque chose et la crainte. On en revient toujours à cette notion de désir et de crainte. Alors le désir, évidemment, chez Hitchcock est multiple, et forcément et touche au sexuel, et la crainte est multiple et forcément touche au sexuel. Alors à partir de ce moment-là, c'est pour ça que l'œuvre de Hitchcock est très passionnante, parce qu'elle est à plusieurs niveaux. Vous pouvez très bien, elle a été développée comme ça, moi je l'ai très développée aussi sur ce point-là, mais par exemple, Romer et Chabrol l'avaient travaillé, c'est-à-dire sur le côté religieux, le côté métaphysique, le côté Dieu, etc., Dieu et le mal. Bon.
Mais vous pouvez aussi le prendre au niveau psychanalytique, etc. Vous avez comme ça plusieurs degrés ou niveaux de lecture, parce que vous avez de multiples possibilités. Désir et crainte, c'est très riche. Et en effet, ça touche à beaucoup de choses qui est liées à la connaissance, qui sont liées à la connaissance. C'est une angoisse. Curieusement, Hitchcock n'est pas un macabre, n'est pas un morbide. Hitchcock, c'est un ventral. C'est-à-dire c'est stomacal. C'est-à-dire qu'il suffisait de voir le ventre d'Hitchcock pour s'en rendre compte. C'était un gourmand, un gourmet. Donc, si vous voulez, il y a une idée que je trouve magnifique, moi, chez Hitchcock, c'est tellement bon de manger, mais quand on a mangé, ce qu'on a mangé peut très bien vous détruire et vous dévorer de l'intérieur. C'est une mort sublime, non? Et tout à fait gracieuse. Vous ne pouvez dire, c'est quand même une chose très intéressante chez Hitchcock, c'est que comme il travaille le spectateur qui se projette sur l'écran dans le héros, qui lui-même se projette dans son double maléfique, vous pouvez constater une chose chez Hitchcock, jamais le héros ne meurt. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le spectateur ne peut pas mourir, puisqu'il est là en train de goûter au film, mais surtout pas avoir une idée de mort. Donc, aucun héros ne meurt chez Hitchcock. Alors quand, une fois ça arrive, c'est-à-dire c'est l'héroïne qui meurt dans Psycho, ben c'est parce qu'elle n'est pas l'héroïne, justement. L'héroïne, c'est le méchant, c'est Norman. Et lui, à la fin, il n'est pas mort. Simplement, le film se termine par son visage qui lui-même se transforme en tête de mort. Mais ça, c'est autre chose. Mais il ne meurt pas. Vous n'avez pas la mort, si vous avez des morts, mais ce sont des personnages secondaires. Le personnage central ne peut pas mourir puisque c'est le spectateur. Et justement, c'est ce plaisir de la vie et de la peur de la mort. Et cette peur de la mort est quand même aussi quelque chose de délicieux. Donc, on est gourmand, hein.